Aujourd'hui, on va voir des problèmes de groupe sur une conique. C'est-à-dire que c'est une histoire que je trouve vraiment particulièrement jolie, qui va montrer que sur une conique, on a une structure de groupe. Ça part de la géométrie ancienne, de la géométrie où on faisait vraiment des dessins, où on travaillait sur les dessins, en passant par les structures algébriques de groupe, alors, et en allant jusque à la cryptographie actuelle, ou en tout cas celle qui s'est développée dans le XXe siècle. Alors, pour certains, je sais que ça va les traumatiser. Ils ont peur des groupes, ils ont peur des coniques qui cachent des formes quadratiques et en plus de ça des problèmes géométriques. Alors là, c'est vraiment le cauchemar, comme si c'était un film où il y a à la fois Frankenstein et Dracula. Donc là, ça va être le moment, au contraire pour moi, de réconcilier tout ça et de voir que les groupes sur les coniques, c'est très très naturel, c'est très simple finalement. Vous allez voir, c'est une chose assez. Et en plus, c'est simple, mais ça peut aller loin et de façon graduelle. Bon, reprenons. Donc, groupe sur une conique. Alors, on va regarder déjà les trois groupes. Il y a trois groupes qui ont été, dans lesquels notre enfance a baigné pratiquement. D'abord, le groupe additif. C'est-à-dire on a appris à ajouter et à soustraire des fractions, bon, d'abord des nombres entiers, après des fractions, et puis, bon, on va dire au cas où des suites de Cauchy se cherchent à converger là-dedans pour compléter le tout. On a prolongé ça sans difficulté à R+. Voilà. Donc ça, c'est une première loi. Une deuxième loi qu'on a appris dans notre avance, c'est la multiplication. Alors je dirais Q étoile plus, qui ensuite est devenu, sans trop de mal, bon, sans trop de difficulté, hein, R étoile, pardon, multiplié. Donc la multiplication et la division. Donc voilà, ça y est, on a nos quatre opérations. Donc j'ai annoncé un troisième groupe. Ben, oui, il est peut-être arrivé. Alors en tout cas, à l'époque où j'étais en primaire, c'était clair, hein, on nous a additionné des angles, même si c'était en degrés, hein, c'était modulo. Donc si par exemple on avait 200 degrés, il fallait ajouter 200 degrés, ben, en fait ça faisait 40 degrés. Et pas 400, parce que on travaillait quelque part modulo, on comptait les tours, après il fallait enlever 360. C'est le même principe si on dit, bah, tiens, le confinement, il devait s'arrêter le 15 avril, on va reporter de 20 jours, donc il faut faire 15 plus 20, ça fait 35, mais il n'y a pas de 35 avril, donc on va dire c'est 5 avril parce qu'on est nouveau Tu t'es vu France, quand t'as bu de ou l'eau? alors vous avez un gâteau qui doit cuire 30 minutes, il est 40. Bon, bah, voilà, vous le sortirez à E10. Voilà. Donc, tout ça, c'est le calcul modulaire. On peut dire qu'on travaille sur R sur 2 pi z, si jamais on pense les choses en termes d'angle, ou R sur 7 Z, si on pense les choses en termes de jours de la semaine, ou 30, ou quoi. Bon, bref, on va dire Q, le bon groupe, c'est Q sur Z, un groupe modulaire pour l'addition, hein, qui peut devenir, si on veut, R sur Z pour l'addition. C'est-à-dire que c'est un groupe où 1, tous les entiers, ça vaut 0. D'accord? Donc ça se reboucle à chaque fois. Donc c'est les aiguilles d'une horloge, si on veut, les minutes, ou même quand on fait un calcul en base 10, et puis qu'on oublie la retenue, on regarde juste modulo 10, les nombres. Voilà, donc c'est le calcul modulaire, voilà, hein, qu'on sait faire. Voilà, ben, ces trois opérations, ce que j'annonce, c'est qu'elles vont se réaliser de manière uniforme sur les trois
conique, classifié, modulo, le groupe affine. D'ailleurs, modulo, ou si vous préférez, changement de repère affine. On sait que ces trois coniques, eh ben, ça va être la parabole. Eh ben, l'addition, ça va être la parabole. Voilà. Là, la multiplication, je vous laisse deviner. L'hyperbole. Et là, l'ellipse. Voilà. Et on va voir que c'est complètement uniforme. Ok, on va commencer.